Salut tout le monde, c'est Warki, on se retrouve pour les 5 vidéos du mois numéro 1. Voilà, je vais présenter 5 vidéos que vous m'avez proposées dans les commentaires. Donc voilà, vous allez voir si vous avez été pris ou pas. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc la première vidéo nous a été proposée par Crunzy Gaming et c'est une vidéo qui va nous montrer 3 spots d'invincibilité sur GTA Online. Voilà, si vous jouez à ce jeu, franchement ça peut vraiment vous être très utile. Il a eu 83 vues et 7 likes, donc voilà, je vous mets un petit extrait. Voilà, et les flics du coup bah ils vous voient pas. Donc voilà, ça c'était le premier spot, donc il se trouve à la plage, donc il est assez simple. Donc on va se retrouver pour le deuxième spot tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve pour le deuxième spot. Donc ce spot il est sympa, mais des fois vous pourrez vous faire tirer dessus, donc c'est rare. Pour la deuxième vidéo, ce sera une vidéo proposée par Karim61. Donc la vidéo se nomme Silent Hill sur PS4 découverte gameplay. En gros, vous l'aurez compris, il découvre Silent Hill et puis voilà, il vous le montre. En gros, il vous fait découvrir ce jeu en sa compagnie. Donc si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à passer voir. Il a eu 323 vues et 11 likes. Putain, ça me fait flipper. Pour la troisième vidéo, ce sera proposé par Monsieur Zozo, donc il a eu 64 vues et 6 likes, et la vidéo ce sera Happy Game épisode 3, le voleur handicapé, alias The Very Organized Thief. Voilà, un jeu indé que j'avais déjà fait il y a assez longtemps sur ma chaîne, franchement c'est mon jeu indé préféré, donc voilà. Franchement, une très bonne vidéo, voilà, bien fun, bien montée, voilà, bien commenté tout ça, donc n'hésitez pas à passer voir, je vous mets un petit extrait. J'en ai pas besoin, est-ce que j'ai besoin de... Ok, le mec qui vole une théière alors qu'il est dans une maison avec du fric partout. Ouais, le mec il a une belle cave à vin quand même, hein. Ah, quand il va rentrer chez lui, il sera déçu. En fait, je vais chez le mec, c'est pas pour le cambrioler, hein. C'est pour foutre le bazar, mais à un point extrême, extrême. Pour la quatrième vidéo, ce sera, voilà, les vidéos d'Azrex, donc voilà, Azrex, une vidéo sur GTA V où il nous a fait une sorte de petite compilation de fun, en gros, où il joue avec ses potes, voilà, une vidéo sur GTA 4, hein, et il a eu 55 vues et 6 likes. C'est pour ça que c'est dégueulasse, j'ai horreur de ça, il est en pique. Monte, monte. Oh putain, t'as tué mon frère. Mais attendez, c'est un saut ça. J'arrive. J'ai quelque chose à faire d'important. Et pour la cinquième et dernière vidéo, ce sera proposé par Satarx. Voilà, donc c'est une vidéo The Trailer of Sad Sniping FR Team Tate, pardon. Enfin, en gros, vous l'aurez compris, c'est le trailer du montage, enfin du teamtage plutôt de sa team. Et puis voilà, 69 vues et un like. Donc voilà, c'est aller vite, hein, mais je vais finir vous présenter ces vidéos. Donc elles sont toutes dans la description, dans l'ordre où elles ont été présentées. Donc aussi, n'hésitez pas à passer voir la chaîne de ceux qui l'ont fait, si ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aidera, ceux qui ont été présentés. Donc surtout, ouais, n'hésitez pas à passer voir s'il y a une vidéo qui vous a intéressé. Donc pour participer, c'est très simple, hein, si vous connaissez Je Prends Ta Chaîne, c'est pareil. Il suffit juste d'avoir liké la vidéo, être abonné et puis me mettre dans votre subbox, voilà, tout simplement. Et puis après, en commentaire, vous mettez, voilà, je participe, et vous mettez le lien de votre vidéo, voilà. Et puis du coup, ça s'affichera en tant que titre cliquable, en gros. Enfin, on pourra cliquer dessus, quoi. Enfin voilà, faut juste mettre le lien de la vidéo que vous avez faite. Et puis la vidéo doit dater de moins d'un mois, faut qu'elle soit récente, de moins d'un mois, voilà. En tout cas, j'irai voir, voilà, vos vidéos. Puis les 5 que je préférerai, je les représenterai. Donc j'ai un épisode qui sortira peut-être dans 3 semaines environ ou 2. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas que ce concept vous aura plu, car c'est quand même le premier épisode. Donc j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. C'était Warki, je vous dis bye tout le monde, et geekez bien.